Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve comme convenu pour notre premier semis de l'année. Ouais, c'est le premier semis de l'année. On va semer un petit peu de salade. On est en lune montante, mais ça n'a guère d'importance parce qu'on est en plein milieu de l'hiver. Et ce qui est surtout important, c'est à partir du mois d'avril parce que la salade, vous voyez, elle ressent la chaleur, et quand il y a énormément de chaleur à partir du mois d'avril, mi-avril, début mai, et ben même en lune montante, on peut avoir des désastres. Pourquoi ? Parce que la chaleur commence à être intensive et la salade pense à une seule chose, c'est à faire des graines. Voilà. Alors les amis, on a préparé notre terre. Voilà, notre terre, on l'a travaillée, on y a ajouté pas mal de terreau. Alors c'est du terreau de réempotage que j'avais en stock, qui a déjà été utilisé une fois. Donc il n'est pas épuisé, mais bon, il a déjà servi un peu. Voilà, vous pouvez mettre du très très bon terreau. Vous pouvez mettre un petit peu de terreau de semis ou un petit peu de terreau horticole. C'est pour dire d'alléger votre terre. Ensuite, ce qu'on a fait, on a amendé un peu, on a apporté un petit peu de nourriture à notre terre. Voilà, on y a ajouté un petit peu de marc de café et qui apporte un petit peu de d'azote qui va se répandre, qui va se diffuser dans la terre lentement, et c'est très riche en minéraux. Et ensuite, on y a apporté un petit peu de engrais. Hors brun. Alors ce sont les petits granulés qui sont riches en sang desséché, en plumes et surtout en algues. Voilà. Et pourquoi j'ai ajouté ça? Pourquoi j'ai pas mis de fumier? Alors comme je dis toujours, le fumier, il apporte beaucoup de bonnes choses pour les tomates, les concombres, les courgettes, mais ça a un défaut sur les graines de salade. Le défaut principal, c'est que ça apporte aussi des larves. Voilà, le fumier, les larves, ainsi que j'aurais pu mettre du compost, mais le compost aussi est riche en larves. Et là, on a un petit peu de salade qui seront mangées. Alors, c'est pour vous ça, je préfère mettre l'or brun, hein, qui est des algues déshydratées. Et là, je pouvais en être sûr que vous n'aurez pas de problème avec les larves. Voilà. Hein. Et vous savez, vos petites salades qui sont mangées. Alors, on a travaillé notre terre. Alors, tout simplement. Et je voudrais revenir. Si vous loupez cette journée, c'est pas grave. Voilà, parce que quand je vais mettre la vidéo en ligne, sachez que c'est le jour quasiment idéal. Mais vous pouvez savoir aussi, c'est que vous pouvez semer encore pendant au moins 3 jours. Facilement, lune montante, donc c'est pas grave, ça va le faire quand même. Voilà, alors on a préparé notre terre, vous voyez, avec notre petit matériel qui va bien, et tout simplement, j'en ai plus besoin, j'ai fait des petits, vous voyez, légèrement, j'ai appuyé légèrement dessus, et j'ai commencé déjà à semer, là, tout au moins sur le bord, et là vous ne le voyez pas. Alors tout simplement, ce qu'on va faire, la terre est déjà super humide, voilà, donc on va faire, soit on pourrait semer directement, essayer de faire un par un, mais moi je vais faire, comment on appelle ça là, un petit peu en zigzag. Alors sur une, vous voyez ma plaquette fait à peu près 10 cm. Donc sur 10 cm, je vais semer en zigzag. Voilà, comme ça, ça ne sera pas trop les uns sur les autres. Là, vous voyez, tout simplement. Hein. Alors, il va falloir que j'essaye de vous faire voir ça. Voilà, je vais essayer de vous le faire voir le plus près possible. Voilà. Ah ouais, je vous ai pas fait voir ça comme il faut, je pense. Hein. Alors, je recommence. Plus précisément. Alors, vous voyez, avec ma plaquette, j'ai tout simplement, voilà, j'ai pas écrasé comme un fou, hein, j'ai vraiment fait un petit écrasement. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on prendra avec nos deux doigts un petit peu de graines, vous voyez,
et qu'on va simplement alors filmer et en même temps tenir le smartphone, je vous dis, c'est super, hein. C'est super délicat, hein. Alors vous voyez, regardez, on n'en met pas trop. Là, ils sont espacés parce que après, il faudra certainement les repiquer. Et le fait de faire un zigzag, vous voyez, il y a quand même pas mal. Ah mince, je vise pas bien le. Vous voyez, le fait de faire un zigzag, eh bien, on arrive quand même. Alors, vous voyez, ça, c'est mes graines que j'ai fait moi-même. Hein. Alors, voilà, on arrive à viser. Alors, il me restait encore cette bande-là. Vous voyez? Ah là, j'en ai mis un petit peu de trop. Alors, vous voyez, regardez, comme ceci. Alors, vous voyez, c'est un peu bien réparti. Voilà, je vais reprendre un petit peu. Alors, moi, alors faire le caméraman et en même temps, je vous le fais pour vous, hein. Mais bon, il y en aura peut-être un petit peu de trop, ça, c'est certain. Hein. Alors, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait mes bandes, là. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu mieux parce que là, forcément, j'ai pris mon temps. Donc, il y en a un petit peu moins. Vous pouvez les voir un petit peu plus là-bas. Les petits points blancs. Voilà, le smartphone a bien calibré. Voilà ce que ça donne, les amis. Bon, maintenant, l'opération numéro 2 qui consiste tout simplement, on va recouvrir avec notre terre séchée. Alors les amis, est-ce que vous vous rappelez de notre terre séchée? Autrement dit, c'est notre terre qui vient des monticules de top qu'on a fait sécher pendant une semaine à la maison. Vous obtenez une poudre qu'on a tamisée, on a passé ça au tamis. Et tout simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la prendre et on va passer un petit coup comme ça, très très léger. Alors, vous voyez? Vous voyez, à peine recouvert, à peine. Mais alors, c'est vraiment d'une légèreté, vraiment très minime. Vous voyez, regardez là. Là, je vais essayer de bien viser. On va essayer de cadrer. Regardez là, on voit bien les graines. Voilà, à peine, on passe à peine dessus. Vous voyez? Alors, c'est très important ça, parce que par exemple, si vous avez un genre de graines des carottes par exemple, des carottes c'est vraiment une graine très très petite, bah, vous devez faire exactement la même chose. Alors le fait d'avoir une terre humide, le fait d'avoir une terre, la terre était déjà bien humide, vous n'avez pas besoin, vous voyez, vous n'avez vraiment pas besoin de donner un petit coup d'arrosoir tout simplement. Hein. Voilà, donc vous avez compris le principe. Voilà. Voilà. Alors remarquez, regardez comment cette terre est vraiment, vraiment d'une finesse incroyable. Et prenez exemple sur ce système-là, parce que ça vous aidera beaucoup. Car une graine de salade. Alors vous avez vu les graines de salade? Alors les graines de salade font quasiment 1 mm d'épaisseur. Donc vous devez l'enterrer de 1 mm. C'est super super important. Alors les amis, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, je vais terminer mes deux bandes là-bas et je vais recouvrir. Alors les amis, maintenant, on va refermer tout simplement avec notre bâche transparente. Voilà, comme ceci. Voilà. 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 On va mettre comme ceci. Alors là. Alors, quel est l'objectif
de cette bâche. Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif de cette bâche en priorité, eh bien, c'est de récupérer le maximum de chaleur, surtout de couper aussi du vent du nord. Le vent du nord qui fait des ravages au niveau de la germination, il faut absolument qu'on coupe tous les courants d'air, les choses comme ça qui vont emperter, qui vont empêcher la germination. Donc il faut vraiment couper, essayer de couper le maximum le froid. Alors en somme, ce qu'on essaye de faire, vous voyez, même en hiver, quand vous avez une véranda, même en hiver, s'il y a un bon rayon de soleil qui tape dans votre véranda, vous allez gagner quelques degrés. Ici, voilà, c'est exactement pareil. Voilà, on va réussir à gagner quelques degrés quand il y aura un rayon de soleil. Il n'y en aura pas beaucoup, mais vous allez obtenir un écart de température de peut-être vers midi, 2h, de quelques degrés. Et ça suffira largement pour faire germer vos graines de Batavia ou alors d'Apia. Ça sera vraiment super, hein. Voilà. En tout cas, ceux qui vont faire le test, ceux qui vont faire les tests avec dans une jardinière, qui vont faire démarrer leur dans une jardinière, sachez qu'avec des demi-bouteilles d'eau coupées à l'horizontale, vous pouvez obtenir une petite atmosphère, tout simplement. Voilà, ouais, avec simplement deux gros sachets transparents, essayez de faire une atmosphère un peu comme ici. Et là, si vous avez la chance d'avoir un balcon quasiment au sud, vous pourrez faire germer vos graines tranquillement. Ça prendra un petit peu de temps, voilà, mais on peut tout faire. Voilà, on est en lune montante, vous pouvez même faire germer un petit peu de persil. Bon, les amis, je vous adore tous. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt, les amis. Et j'espère que vous allez tous y arriver. Ça sera avec plaisir qu'on... Vous me direz des nouvelles, les amis.